Donc, je pense que vous avez bien compris hein, pour ces histoires de tableau de signes avec en fait une fonction du premier degré. Mais là, on a un fichier GeoGebra où on voit donc quand on change la valeur de A, on a la pente de la droite donc, qui varie en même temps. Et quand on change la valeur de B, eh ben, la droite, elle est plus ou moins haute. Hein, on fait une translation de cette droite parallèlement à l'axe des ordonnées. Donc quand on a cette droite-là, maintenant si je veux afficher le signe de f de x, eh bien on voit qu'ici on a la partie positive et là on a la partie négative. Ça veut dire que quand on est dans la partie verte, les points de la droite ont une ordonnée qui est positive, et quand on est dans la partie rouge, les points de la droite ont une ordonnée qui est négative. Et là, on voit que f de x, qui est égal à x plus b avec petit a qui vaut ça et petit b qui vaut ça, va changer de signe en x qui est égal à moins b sur a. Ici, c'est marqué environ égal parce qu'il y a certaines fois quand on a une valeur de a qui est pas qui convient pas, on se retrouve avec un nombre décimal. Ça va? Et donc c'est pour gérer quand on a des valeurs approchées. Donc voilà comment on visualise cette situation que je pense que vous avez déjà comprise, mais c'est pas grave, ça fera une autre petite vidéo. Alors.